Alors, salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Je suis avec mon gars Flo DiCaprio. Yes, sir. Ça dit quoi, frérot? Relax, man, dans le Myland, comme tu peux voir avec les gars, avec mon poteau, Quan, Big Quan. On est là, relax, un petit mardi tranquille, tu sais déjà, man. Petite bière, tu te promènes, vous montrer un peu les alentours, you know. Bon, avant qu'on explique un peu où on est, je te laisse te présenter déjà. Bon, Flo DiCaprio, man, 27 gang, 27 block, on est là. En fait, bon, moi, j'ai grandi ici, je suis né ici, dans le Myland. Myland, c'est un petit quartier pépère, on est relax. Tu vois, on va pas trop expliquer tout ce qui se passe, mais il fait bon vivre ici, on est bien, tu comprends? C'est tranquillos, puis Montréal, mon frère, man. Des vrais gars de Montréal, tu comprends? C'est ça, c'est comment un peu le Myland? Parce que c'est particulier. N'écoutez pas ce gars-là, il dit n'importe quoi. Ce gars-là, il dit n'importe quoi, il faut jamais l'écouter. Arrêtez d'écouter sa musique aujourd'hui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Posez-vous quoi? Grand frère Lowe, le grand frère Lowe, man. Parce que lui, c'est un des premiers gars qui m'a fait enregistrer de ma vie. Ah ouais? Ouais, c'est un ingénieur de son. Son studio est juste là à côté. C'est un des premiers quand j'avais comme 13-14 ans, man. Gros shout-out. Il avait l'air pressé, là, mais. C'est la famille, ouais, c'est honnête. C'est-à-dire, c'était comment la première fois que t'as enregistré, la première fois que t'as fait du son, c'était comment? Shit, man, j'étais plus jeune, bro. J'étais plus jeune. J'avais, je pense, 14 ans quand j'ai connu Lowe. So... Ouais, c'était le seul gars que je connaissais qui avait l'équipement pour enregistrer. Donc, je l'ai appelé, il m'a fait venir chez lui. On a fait du rap, man, tu comprends? Puis, de fil en aiguille, on s'en est rendu là, tu comprends? So... Bon, sinon, explique un peu c'est comment le Myland, parce que c'est spécial, c'est un peu dans le centre-ville, c'est ouais, c'est en fait, le Myland, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est où? Le centre-ville, c'est plus dans le sud. Là, on est vraiment au milieu de la ville, tu comprends? C'est relax, tu sais, c'est pas le ghetto ici, mais tu sais, il y a des shit qui se passent ici comme partout. On fait ce qu'on a à faire, you know, mais ouais, c'est comme on est proche de tout dans la ville. On est proche du downtown, on est proche du uptown, là-bas. Tu sais, on est proche de tout, on est là, man. You already know. Bon, t'as fait des clips un peu par là ou quoi? J'ai un parc un peu plus haut par là-bas que j'ai fait des clips. J'ai fait un clip dans une buanderie pas loin d'ici aussi, on pourrait passer tantôt. Une buanderie toute rose. Je sais pas si vous avez vu ce clip-là, mais grosse affaire. J'étais avec Charlie, il m'applique dans une guinée. J'étais avec le flax, le capon, le génie. Ta bitch frotte mon dé comme si qu'elle veut un génie. Ouais, il y a les bagels. Ça, c'est connu hein, mondialement, les bagels du Myland, bro. Bagels Saint-Viateur, bro. Vous savez c'est quoi des bagels, non? Ouais, ouais. Si, c'est les original les bagels. Tu comprends? Ça, c'est les bagels. C'est quoi l'histoire à propos de ça, alors? Pourquoi c'est connu mondialement? Je sais pas, man. Pour de vrai, je sais pas, man. Ça vient du Myland. Puis les gens voyagent pour venir manger ces bagels-là de d'autres pays, de d'autres villes, dans le Canada, puis tout, là. So. Myland shit, man, you know? Hussein, Saddam, Asiat, Moulin, ma ville, Gotham, pull-up shop, top, black on black, famille Adam. Non, là, vraiment, on est comme sur Saint-Viateur. Saint-Viateur, c'est la rue où qui se passe pas mal tout dans le Myland. C'est là qu'on aime chiller. Ça, c'est notre église. On chill sur les marches de l'église, on fume sur les marches de l'église, on boit sur les marches de l'église, on fait tout sur les marches de l'église. Là, tu vois, on est un petit mardi gris de novembre. Mais en temps normal, tu viens ici l'été, là, tu peux trouver 4, 20 gars, 30 gars, bon, on est tous là, on chill, on mange, on a du fun, tu comprends, on fait ce qu'on a à faire, you know. Ça veut dire, ouais, c'est comment un peu le train de vie dans le Myland? Ah yo, mais comme tu vois, tu sais, il y a toutes sortes de gens différents dans le Myland, bro. Il y a beaucoup de, c'est un quartier très artiste. Toutes les sphères d'artistes, là, comme si, attention, la police est là. Il y a des peintres, des artistes rappeurs, blablabla, blablabla. Il y a tout ça, il y a nos amis les fucking police, les fils de chien, ce qu'on je veux dire, bande de fils de chien. Train de vie pépère, mais tu sais, comme ça se passe, on est vraiment à côté de tout. On est à côté de Rosemont, un autre quartier juste là-bas, Parc Extension juste là-bas, Beaubien juste là, centre-ville, tu descends, tu arrives au centre-ville, tu comprends. Vraiment, on est accès à tout rapidement d'ici, tu vois. So, ouais. Bon, on en parlait d'eux là derrière. Ah, les enculés, les fils de chien. Ils sont comme au Montréal, j'imagine qu'ils sont différents de la France. Ouais, moi je suis jamais allé en France, donc je sais pas, mais tu sais, c'est sûr qu'on a internet, on peut voir comment ça se passe. On mais a pas le droit de boire ça. Pas le droit de boire dans la rue, ah ouais. Pas le droit de faire toutes sortes de trucs, mais c'est des fils de pute partout, hein, dans toute la planète. Si t'es une police, t'es un fils de pute, man. Moi, il y a un truc qu'on m'a dit, je sais pas si c'est vrai, c'est que quand ils viennent te contrôler sans raison, t'as le droit de refuser. C'est vrai ou pas, ben... Je te dirais que ça dépend pour qui. Ça dépend pour quel genre d'individu que t'es, tu comprends? Ouais. T'essayes de t'obstiner avec eux quand t'es un gars comme moi ou comme Quan, ben, ils vont te faire chier pareil, tu comprends? Ouais. Mais de refuser de te faire contrôler, non. Si te demandent tes pièces d'identité, tu dois leur donner, man, tu comprends? Sinon, t'es dans la merde. Ça finit jamais bien quand tu fais ça, tu comprends? T'es mieux de juste donner ta carte si t'as rien à te reprocher. Si t'as quelque chose à te reprocher, cours, man, tu comprends? C'est vraiment ça, bro. Bon, sinon, gros.
on a dit que c'est, tu m'as dit ici que c'était un quartier d'artistes et tout, il y a tout. Je dirais, il y aurait qui comme rappeur qui vient d'ici? Moi, je suis le seul, moi. Je suis le seul rappeur de. Il y a mon gars Young Fab aussi, mais. Le seul qui rappe. Pour de vrai, celui qui représente comme ça, il y a juste moi. Il y a une place à prendre, on va dire. Un mec qui vient d'ici, qui rappe et tout, ça te démarque un peu, non? Ouais, non, mais c'est bon, tu sais. C'est comme si. Pourquoi j'ai fait autant de bruit cette année, c'est parce que. Déjà, mon style, comment je rappe, c'est pas comme tous les gars de Montréal, tu comprends? Je rappe à ma façon, puis aussi je rappe le Myland, donc les gens comprenaient pas. C'est comme différent, il y a pas de rappeur du Myland, donc. Si tu rappes pas comme les autres de Montréal, toi, ce serait comment? Tu rappes comment? Définis ça. Shit. Yo, je pense que j'ai des gros bars, j'ai une technique, je suis un lyriciste aussi. Mes propos sont crus et non coupés, c'est surtout ça qui me démarque. J'ai pas la langue dans ma poche, donc je dis ce que je veux dire, man. Je parle de pute, je parle de... T'sais, un genre de Al Capote, on va dire, peut-être, un peu, tu comprends? Ouais, dans les gros buildings industriels dans le Myland, il y a beaucoup de locaux, beaucoup de trucs, du monde qui loue des studios pour faire quoi que ce soit, mais il y a aussi des grosses boîtes de production de musique, pas seulement du rap, mais il y en a ici. Cult Nation, c'est ici, c'est bien connu, ça, au Québec. Là-dedans, il y a des studios de tatouage ici aussi, il y a toutes sortes de trucs dans le Myland, dans ces gros buildings industriels-là. Ça veut dire que c'est quand même un quartier, il se passe des trucs ici. Ouais, ça bouge ici, ça bouge. Tout le monde connaît le Myland, tu comprends, c'est quand même... Si t'es un artiste, c'est sûr que t'es déjà venu faire des trucs ici, c'est sûr que t'es passé par ici. Il y a des gars qui viennent de des quartiers plus loin, qui connaissent pas vraiment, mais petit peu à petit peu, ils commencent à connaître le Myland, tu comprends. Ouais, là on est dans le warehouse de Dime. Shout out au gars de Dime, bro. Ils nous permettent de pogner des petits cadeaux pour partir, you know. Dime, c'est une grosse marque montréalaise, mais qui est connue mondialement. So, on est là dans l'entrepôt. On va se prendre des petits cadeaux, tu comprends, la famille. So, même toi, même les potos, prenez deux morceaux chacun, you know. Montréal, tu trouves que c'est une bonne ville pour se lancer dans tous les projets, genre musique, ça. Ouais. Beau, on est quand même fort là-dedans, man. So, comme tu vois, Dime, c'est Montréalais, puis c'est connu mondialement, tu sais. Puis les gars de skate pour ça, tu sais, comme on est là, man, c'est vraiment propre à nous, ça. On sort du Dime, là. Dime nous a mis bien aujourd'hui, là. Je voulais savoir, c'est quoi ton... On va parler de ça, vu qu'on est dans le sujet. C'est quoi ton... On va dire, déjà, premièrement, toi, ton délire niveau sap, c'est quoi que t'aimes bien? C'est quelle marque t'as, peut-être, que t'aimes plus que d'autres? Yo, moi, je suis pas un gros gars. Moi, je suis un gars de Nike. Moi, je suis un gars de Nike, toujours Nike. Mais Montréal, on a plein de trucs. Tu vois, moi, je m'habille souvent dans les thrift shops. Tu comprends? Je trouve des trucs vintage. Tu sais que ce Moose Knuckle-là, vintage. Tu comprends? Tu peux voir mes casquettes. C'est pas des trucs que tout le monde a. Mais c'est pas des trucs nouveaux. Tu comprends? Mais moi, c'est ça mon délire. Tu comprends? Là, des fois, je me tape un petit designer, un petit Gucci. Tu comprends? Mais c'est plus rare, tu vois. J'aime ça encourager local aussi. Ça, c'est local. Dime. Tu sais, ça vient de la ville. J'ai des potos qui font des marques aussi. Je les encourage. Plus comme ça, tu sais. Et c'est quoi un peu la tendance niveau sap à Montréal chez les jeunes, on va dire? Les jeunes, ils aiment quoi ici à Montréal? Comment ils s'habillent en général? Ah yo, beaucoup. Ça dépend vraiment du style de personne que t'es, mais tu sais, il y en a pour tous les goûts. Il y a beaucoup de monde qui s'habille en friperie ici, c'est un phénomène mondial aussi. Ça coûte moins cher, tu trouves des trucs nice, you know. Mais check des gars comme Kwan, bro, regarde là. Ça, c'est une carte de mode, bro, tu comprends? Tu vois, tout est calculé, check le manteau, tu comprends, le Supreme. You know, c'est comme ça, man. C'est vraiment le style Montréal, tu comprends, tu le vois, c'est comme... C'est le style Montréal. En France, vous avez un style différent, en survêt, tu comprends. Mais on kiffe ça aussi, man. On est des gros gars de TN, nous, hein. Attends, regarde, je te montre un petit truc. Regarde. On est des gros gars de TN ici, OK? Yes, sir. On a parlé d'ici, Myland, c'est particulier comme on a dit. C'est comment l'ambiance, l'atmosphère ici? Ah, l'atmosphère, c'est pépère, man. Tu vois, c'est relax, beaucoup de bars, beaucoup de nightlife, comme on dit. C'est le fun, on est proche de tout. Si tu veux sortir, tu marches un coin de rue, t'es dans un bar, t'es dans un resto, t'es dans un truc. Il y a vraiment tout à proximité, tu comprends? Surtout cette rue Saint-Laurent, ça, c'est la rue principale de Montréal. On va l'expliquer, mais avant tout, tiens, j'avais une autre question avant. Ouais. Parce que là, il y a l'exemple parfait. Tu m'as dit, c'est un quartier ici, il y a le graffiti, c'est important ici. Ouais, bon, ça, c'est une murale, c'est pas trop ça qu'on fait nous, là, mais. Ouais, on fait beaucoup de graff ici à Montréal, c'est une grosse ville de graff. Comme Paris aussi, c'est une grosse ville de graff. J'ai des gars de mon crew qui vont à Paris faire du graff, en Espagne, en Russie même. So... Oui, c'est important. Bon, alors, on arrive où là, du coup? Quelle rue? Saint-Laurent. Ça, c'est la rue Saint-Laurent. Cette rue, elle fait toute la ville, du nord au sud. Et elle sépare la ville en deux, est-ouest. Donc là, on est du côté est de Saint-Laurent. L'autre bord de la rue,
ouest de Saint-Laurent. Donc là, on est sur Fairmount Est. Traverse au bord de la rue, Fairmount Ouest, tu comprends? Ah. Commence à zéro ici, mais t'as zéro ici, tu comprends? Sauf vraiment, c'est cette rue qui sépare la ville en deux. Mylan, c'est bizarre parce qu'on est dans le milieu de la ville, mais on est ni dans l'ouest, ni dans l'est vraiment. Il y a des quartiers qui sont vraiment dans l'est, là, Pointe-aux-Trembles, ou vraiment dans l'ouest, comme Côte-Saint-Luc. Mais nous, on est vraiment dans le milieu de la ville. Mais Saint-Laurent, c'est la rue qui délimite la ville en deux, qui la coupe en deux au niveau est-ouest. Donc, c'est vraiment cette rue-là, man. On va descendre, on s'en va dans le plateau. Parlait du plateau, mon poteau, ici, tantôt, on s'en va dans le plateau, dans le studio de tatou à mon frère Okwan. D'ailleurs, shout-out à Kwan encore pour l'entrepôt d'Aim. Tout le monde est sorti avec un petit morceau ou deux, so, c'est mis bien, quoi. Bon, comme on a dit, c'est là la rue où il se passe tout un peu. Mm-hmm. C'est-à-dire, gros, c'est quoi le meilleur endroit pour manger dans le Mylan? Oh, dans le Mylan, on était à côté tantôt, j'aurais dû y penser, mais c'est les sandwichs au poulet péruvien. Ça s'appelle le Serrano. C'est les meilleurs sandwichs, mon frère. Juste en face des bagels où on était tout à l'heure. T'as fait des clips un petit peu? J'ai fait des clips un petit peu ici, mais plus en haut. Moins par ici. J'ai fait un clip, ouais, sur la rue Fairmount, j'ai fait un clip dans une buanderie. Il s'appelle Piège Rock Alternatif. Je suis habillé tout en rose dans une buanderie toute rose. C'est vraiment un bon clip, vous irez checker ça. Mais ouais, ça se passe, man. Il y a plein de trucs à faire. C'est sûr, c'est mieux l'été, tu sais, mais ça, c'est Montréal au complet, c'est mieux l'été, tu sais. Justement, c'est comment l'été à Montréal? Ah, l'été, c'est la fiesta, mon frère, ouais. Man. L'été, tu sors, t'as pas besoin d'appeler ton poteau, t'as juste à marcher, tu vas le trouver, tu comprends? T'as pas besoin de faire de plan. Comme là, l'hiver, si tu veux sortir, là, faut que t'appelles ton gars, savoir c'est quoi qu'on fait, tu comprends? L'été, tu sors, man, tu sors ton chichon, tu fumes, tu marches, puis tu trouves tes patinets, tu comprends? Ouais, ici, on a la SQDC, OK? Il y a quelques années, ils ont légalisé le cannabis au Canada, puis là, ils ont fait des institutions qui vendent le cannabis, tu comprends? Donc, tu peux rentrer là-dedans. Il y a du chichon, il y a du cannabis, il y a des produits dérivés de cannabis, des boissons, whatever, toute cette merde-là. Nous, on n'est pas trop là-dedans, on préfère aller voir le gars, tu comprends? Mais monsieur, madame, tout le monde peuvent mettre les pieds là-dedans, en haut de 18 ans, bien sûr. Ah, je pense que c'est même 19 ans. Nous, c'est 19 ans ou 21 ans? Je pense que c'est 21 ans. Je suis pas sûr, mais on va jamais là-bas, nous autres. Mais regarde, comme tu vois, le monde, ils rentrent, man, ils vont acheter leur pote, leur chichon, man, puis... Ah, c'est... Faut expliquer ce que c'est un pote. Ah, le pote, c'est le weed. Vous dites la weed, mais nous, on dit c'est le pote. Du pote ou du weed, tu comprends? Du hash. Vous dites chichon. On dit chichon aussi, mais ça vient de vous, ça, le chichon. Nous, c'est hashish, hash. So, ouais, SQDC, man. L'endroit de cannabis. On a la SAQ aussi. Ça, c'est la Société des alcools du Québec. Ça, c'est pour acheter le vin. Tout ce qui est le vin ou l'alcool fort, 40%. Sinon, on va dans les dépanneurs pour acheter la viande. Là, on est encore dans le Mylan, là, mais on est à la limite du plateau. Ouais. On dépasse Mont-Royal, on est rendu au plateau. Alors, le plateau, c'est connu parce qu'il y a beaucoup de Français, c'est vrai? Ouais, c'est la Nouvelle-France dans la Nouvelle-France. Et là, il y a des tacos français, quelque chose qu'on mange beaucoup là-bas. Yo, les gars, nous... En tout cas, nous, on mange pas ça, OK? C'est pas un tacos. C'est comme... C'est pas un tacos. C'est quoi, un tacos, même, c'est quoi? Mexicain. C'est dans un tortilla, tu comprends? Il y a pas de frites dans un tacos. Il y a pas de sauce algérienne dans un tacos. Tu comprends? C'est mexicain, un tacos. Donc, je comprends pas pourquoi vous appelez ça des tacos, mais c'est pas des tacos, OK? Il faut trouver un autre nom, les gars, OK? Il faut trouver un truc différent. Un burrito français ou même, là, je sais pas, trouver un propre nom, mais... C'est un mélange de plus... Je dis pas que c'est pas bon, mais... T'as bien aimé ou pas? J'ai déjà mangé une fois. OK, c'était bon, correct, mais... Je suis jamais retourné. Mais c'est pas un tacos, les gars. En c'est gros, pas des tacos français. C'est quoi le mieux? La poutine ou le tacos? Mais la poutine, frérot. Arrête, man, arrête, bro. Poutine, smoked meat. Ça, c'est mon petit truc à moi, là. Les gens vont me juger, mais... Poutine, smoked meat avec la moutarde jaune dessus, OK? Ça, c'est le fléau DiCaprio poutine, OK, les gars? écoute, regarde. Tu vois ici? C'est ça, des tacos. Taco al pastor, taco chorizo. Tu vois? Il n'y a pas de frites, il n'y a pas de sauce algérienne. Il y a de la lime, de la guacamole, de la petite viande, des oignons marinés. Taco. Mexicano. Taco. Là, on est sur Saint-Laurent en ce moment, dans le plateau. Là-bas, il y a mon bar, un de mes bars préférés, le Frappé. Quand tu es un gars de plateau, Mylan, tu es déjà allé au Frappé. C'est le premier bar que j'ai mis les pieds. Je devais avoir 14 ans. À ce jour, j'y vais encore de temps en temps, man. Gros shout-out au Frappé. Table de baby-foot, table de poule.
la bonne bière, on est là. Des machines à sous, let's go. Tu comprends? Yes, sir. T'as déjà fait un peu des concerts, des trucs, des shows. J'ai déjà fait un concert dans le Frappé. Ah. Mais ça fait vraiment longtemps, ça fait plus que 10 ans. Et j'en ai fait un ici aussi, au Blue Dog. Blue Dog, ouais. Tantôt là-bas, on est passé devant le Belmont, j'ai pas pensé, je te l'aurais montré, mais c'est une scène, c'est une salle de spectacle vraiment connue à Montréal. Tout le monde fait des shows là-bas. J'en ai fait un il y a quelques mois avec Roger, justement. J'ouvrais pour Roger là-bas. Shout out à mon gars Roger. So, ouais, man. J'ai fait beaucoup de spectacles sur la rue Saint-Laurent, ouais. Bon, on est à la maison mère, man. On est dans le studio de tatou à mon boy Kwan ici. Tu vois, c'est bien décoré, toutes sortes de trucs. Je montre l'arrière de ton crâne. Ah, les gars, My Land, bro, tu comprends? Je fais ça samedi dernier avec mon boy Kwanski. C'est pas fini, mais on finit ça cette semaine. Le quartier sur la boule, quoi, on est là. So, ouais, man. Frérot, ça fait combien de temps que t'as ce studio? Explique-nous un peu. Ça fait combien de temps même que tu fais du tatouage? Ça fait comme 15, peut-être 16 ans que je fais ça. Yeah, man. Puis le studio, je sais pas, quoi, 3 ans, genre? Ouais, ça fait peut-être 3 ans genre, depuis... COVID. Le COVID, ouais. Là, j'étais comme, fuck that, je vais me pogner un petit shit privé, puis je vais voyager. Ouais. Comme tu vois, il y a une section ici pour les tatous, il y a une section en haut aussi, on va montrer en haut live, là. Ah, les gars, avant de monter, faut dis-moi, que je te demande un truc. Dis-moi, frérot. C'était quoi votre premier tatouage? Ah, yo, je vais te le montrer, man. Moi, mon premier tatouage, je sais pas si le fil va... Ça va te niquer, mais... Premier tatouage, c'était lui, man. L'Afrique avec le drapeau du Ghana à l'intérieur, man. À l'âge de 16 ans, mon premier tatou, man. Ouais. Et toi, frérot, c'était quoi? Petite initiale ici. J'ai attendu le jour de mes 18 ans, là. Moi, je pensais qu'il allait me carter, là. Pis, yo, mais c'est ça. J'étais pas game d'aller au tattoo shop, là, pis me faire... Moi, j'étais allé le jour de mes 16 ans, pis pendant qu'il me tatouait, le gars... On jasait, puis là, il m'a dit, comme, ah ouais, puis t'as quel âge? J'ai dit, ah, j'ai 16 ans, je viens d'avoir 16 ans aujourd'hui, puis il m'a dit, ah ouais, je suis pas supposé de tatouer, mais c'est bon, c'est pas grave, là. So, ouais, man. Tatou, ça fait partie de nous, hein. On est tatoués partout, les gars, nous. On cuisine pas ici. Tu comprends? Regarde, frérot. Tu comprends? Là, y en a pas. Ah, mais y a quand même des petits trucs, tu comprends? Ici, man. On est là, la famille, man. Ici, si tu veux jouer à fucking Street Fighter, Mortal Kombat, man, tu comprends? T'as fait des clips un peu dedans, like, quoi? Ouais, j'ai fait un clip ici. Mon clip Paquette, un de mes plus gros clips. Le clip qui m'a fait démarrer, en fait, Paquette, ouais. So, ouais, man, nous, c'est plus ici qu'on se fait tatouer. On vient là poser, tu comprends, la télé, les affaires, so. Ça se passe, frérot, man. Frérot, j'ai une dernière question pour dis-moi. Terminer. Celle-là, c'est la même dans chaque vidéo, je la pose tout le temps. C'est quoi ton équipe de soccer préférée? Shit, mon équipe de soccer préférée. J'écoute pas beaucoup de sport, mais quand j'étais jeune, je dois t'avouer, je pense que je dois dire Chelsea. Ouais. C'est carré. Ouais, Chelsea. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive Insta? Fléau DiCaprio sur Instagram. Fléau DiCaprio, ma page YouTube aussi. J'ai pas Snapchat, mais sinon c'est ça. Fléau DiCaprio, Instagram, Snapchat. Fléau DiCaprio, TikTok aussi. Je suis pas très actif, mais là je commence à tranquillement comprendre comment ça fonctionne TikTok. So. Fléau DiCaprio, allez checker mon album que j'ai drop en août, Chien manger chien. Yes sir, man. Gros respect, man, les gars. Gros respect, man. Frérot, merci à toi, la famille. On est là, man. On est ensemble, man. Let's go.